C'est toi qui ne crois pas à la victoire. Le jour où Dieu voulait bénir Abraham, il dit, sors, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, tel sera ta descendance. Il a fait rêver Abraham. Pour bénir le petit-fils d'Abraham qu'on appelle Joseph, il a donné un songe à Joseph. Alléluia. Sous sa main, quand il est descendu, il a dit, moi, je suis un milliardaire. Oui. Amen. Vous me regardez, chacun dit ce qu'il veut dans la chambre. D'autres, ils pleurent. Je ne suis pas là pour pleurer. Amen. J'ai déjà la solution, c'est Jésus. Amen. Pourquoi pleurer? Si tu veux pleurer, c'est pleurer qui sera dans ta maison. Amen. Amen. J'ai déjà la solution que Jésus. Vous savez que quand vous descendez du lit, posez un acte, parlez sur votre vie. J'ai toujours dit aux gens, parlez sur votre vie. La première parole que tu sortis, c'est une sémence. Parce que Dieu a pris l'or, c'est la terre. Et la parole est une sémence. Qu'est-ce que tu sèmes dans cette terre? Le miracle, il y en a même joué ça. C'est ça que Moïse dit à Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Une verge. Qu'est-ce que tu as le pouvoir? Amen. Tu as le pouvoir. Tout dépend de toi. Ne pleure plus de larmes. Dieu est avec toi. Tu dis, ah moi comme ça, c'est toi comme ça. C'est de toi comme ça, là, Dieu a besoin. Dieu, il s'en fout si tu as cherché femme de mari de quelqu'un avant. Il s'en fout de ça. Il s'en fout si tu es bizarre. Dieu dit, il est venu pour les pécheurs. Toi comme ça, bizarre. Tu as quelqu'un bizarre. C'est de toi Dieu a besoin. On ne te considère pas, mais il faut avoir un rêve, il faut rêver. Tu as déjà la solution. Amen, il faut rêver. Ne te mets pas en train de planifier, non, il faut être positif. Tout dépend de toi. Quel est ton rêve? Si tu veux voyager, tout dépend de toi. Vous aimez trop voyager aussi. Vous ne vivez pas du tout. Venez faire un ministère. Venez faire un ministère. Vous allez chercher, vous allez nous appeler un peu. On va l'attraper les sorciers de la Côte d'Ivoire. Amen. Ça c'est clair. Moi j'ai besoin des 4x4. Je fais des patrouilles. J'attaque une région, je fais des patrouilles. Mais c'est vrai. On nous allons aller dans les régions, poser des actions prophétiques. J'ai trop de secrets spirituels. Dieu m'a doté de connaissances spirituelles. Amen. Je peux posséder une maison rapidement. Donc là, il demande au Béninois de m'inviter. Invitez-moi au Bénin. Je cherche ça. Amen. J'ai une jeune soeur, elle est musulmane. Elle, à cause de nos vidéos, elle a commencé à se convertir. Elle vient, elle sera là. Elle va au Togo. J'ai dit, je veux, invite-moi au Togo. J'ai fait une démonstration devant les vaudous. Vous me regardez. Amen. Élie n'a pas consulté Dieu lorsqu'il voulait fermer le ciel. Parce qu'il avait le pouvoir. Il n'a pas dit à Dieu, s'il te plaît, est-ce que je peux fermer le ciel? Il dit, ciel, ferme-toi, suis-moi ma parole. Vous avez le pouvoir. Amen. Alléluia. Vous avez le pouvoir, ne jouez pas ça. C'est pas une question de non, tu n'es pas. Non, tu as déjà le pouvoir. La Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tout. Il y a pas une chose que tu ne peux pas accomplir. Tu peux tout. Amen. Amen. Si tu penses que tu es fort, et tu seras fort. Amen. Tu peux tout. Tout dépend de toi. C'est pas pleurer. N'oublie pas que tu vois des attaques. L'ennemi verra te distraire peut-être une maladie. Si tu laisses l'ennemi avoir, tu auras des problèmes. Amen. Amen. C'est tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Derrière ça, il y a un miracle. Amen. Dieu n'abandonne jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Si tu as une situation, il y a la solution. Amen. Fais toujours confiance à Dieu. Amen. Tout ce qui se présente comme un mur. Comme difficulté, toi vois ça comme un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne travailles pas, dis-toi que tu vas travailler. Amen. Alléluia. Amen. Il dit de vous inquiéter de rien. Rien.
mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est tout. C'est que Dieu a besoin de tout. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de Jésus? Amen. Je ne vois pas trop de mains en l'air. Amen. À doubler. Je ne vois pas trop de mains en l'air. Amen. Nous nous marions, que Dieu bénisse. Amen. Ça va? Ça va, monsieur? Elle est désarmée? Gloire à Dieu. Sinon, tu as passé au service de désarmement de bouche. Nous désarmons les bouches ici. Amen. Et nous avons eu plutôt le dimanche passé un mariage. Il y a eu un mariage religieux. Et j'ai toujours dit, c'est une erreur. Il faut des réformes dans le système chrétien. Les gens, malheureusement, ils vont d'abord à la mairie avant de venir devant Dieu. C'est une erreur. Nous devons aller finir d'abord devant Dieu et aller devant les hommes. Amen. Amen. Parce qu'un maire ne peut pas nous dire, je vous marie. Il n'a pas ce pouvoir. Non. Je suis désolé. C'est pas le maire. Parce que le mari, il est spirituel. Amen. C'est pas un truc charnel. Et pourtant, le maire lui-même, il dit, devant Dieu, les hommes, je vous déclare marié. Mais il n'est pas serviteur de Dieu. Ce sont ceux qui sont serviteurs de Dieu qui peuvent vous marier. Et le vrai mariage, c'est d'abord le parent, les deux parents. Le côté de la femme, et le côté de l'homme. C'est mettre ensemble ce qu'on appelle la dot. Hein? Nous décidons de vous mettre ensemble. C'est ça le mariage. Maintenant, l'Église fait quoi? L'Église bénit l'union. Les parents ont décidé que les enfants soient ensemble. Donc l'Église vient bénir l'union. Maintenant, l'État sécurise le mariage. C'est tout. Et bien sécuriser en cas de décès, il y a les papiers pour protéger la femme, il y a les papiers pour protéger l'homme. C'est tout. La femme a été créée à cause de. Vous savez ça? Qui c'est? Donc désarmez-vous. Amen. La femme a été créée à cause de l'homme. C'est à cause de l'homme que Dieu t'a créé. Amen. C'est tout. L'homme existait. C'est ça qu'on appelle elle. Qui veut dire femme, elle vient apporter de l'aide à l'homme. Vous savez que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On n'a jamais dit celui qui a trouvé un homme, mais celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Malheureusement, on tombe sur des malheurs. Tu trouves une femme, tu as un problème. Elles ne sont pas désarmées. Elles vont parler jusqu'à fatiguer. Frère, quand tu veux te marier, il faut bien réfléchir. Vous n'avez pas de mathématiques. Il faut te réfléchir à ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, elle peut faire mon affaire. Vous allez me poser la question. Vous allez me poser la question. Qu'est-ce qu'on va poser? Amen. Regardez le choix de Rebecca. Ce n'est pas le thème du jour. Le choix de Rebecca, le serviteur d'Abraham, quand il allait dans la famille d'Abraham, il a dit celle qui sortira me donner à boire et à boire mes chameaux. Ça sera celle qui sera choisie pour Isaac. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas servir. D'ailleurs, vous voulez dormir quand on vous donne à manger. Une femme qui n'est pas prête à t'aider, à te faire rentrer dans ta destinée, laisse-la tomber. La Bible n'a pas dit, moi je viens aider la femme, c'est la femme qui viendra m'aider. Parce qu'elle a appelé elle. Aide. Une femme qui ne peut plus t'assister quand tu as un problème. Fais attention. Amen. Une femme qui ne peut pas t'assister quand tu as un souci. Fais attention. Elle doit te débarrasser de soucis. D'autres femmes t'envoient des soucis. Fais attention. On appelle elle. Quand Adam s'est levé, il dit, la voici. Elle me fait oublier mes soucis. Toi, tu te rends compte, c'est là maintenant il y a un problème. Amen. Acide ne fait pas ça. Moi je ne veux pas, hein. C'est le problème que tu as rencontré. Acide ne donne pas ça, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Et toi, tu penses que tu as rencontré une femme. C'est le problème que tu as rencontré, c'est le problème. C'est le problème. Amen. Amen. Elle doit t'aider. Pas t'envoyer des soucis. Amen.
On peut partir de rien pour devenir grand demain. Et c'est la femme qui fait l'or. Si on ne savait pas, c'est ça qu'elle apporte le bonheur. Il a dit, celle qui sortira me donner à boire et à boire mes chameaux. Vous savez que le chameau, c'est le dromadaire. Ça traverse le désert. Il faut traverser le désert. J'ai traversé le désert. Cette va venir me désaltérer. Pas me donner des problèmes de chaleur. J'ai déjà vécu ça dans le désert. J'ai déjà traversé le désert. Elle doit venir me désaltérer. Je dois boire ma soif que je dois avoir en elle. Elle. Faites très attention. Si je ne vois pas en toi, elle, c'est pas toi Dieu m'a donné. Tu dis pas amen. Il vient me marier, il vient me marier. Vous m'avez salué embrasser quelqu'un comme du mariage. Il y a tout ça dedans. Vous voulez vous marier, vous n'êtes pas désarmé. Prêt à insulter les gens, prêt à faire tout. Lorsque Rebecca est sortie, elle partait prendre de l'eau. Elle ne savait pas. Quand elle a vu le serviteur d'Abraham, elle a commencé à donner à boire au serviteur d'Abraham et à boire à ses 10 chameaux. Un chameau, quand il n'a pas de soif, il boit comme le mari.